la compréhension qui est cette lumière va passer à travers ce filtre. Ce filtre-là, c'est le voile dont je parle tout à l'heure, dont je parlais depuis tout à l'heure. Qui va nous faire croire qu'il y a un grand inconscient en dessous de nous et nanani, nanana, et on va faire des travaux dans le passé, des travaux dans notre enfance, etc. Super, il n'y a pas de problème, mais là, on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Et dans maintenant, certes, il y a une idée, une grosse idée que nous partageons, mais qui est en train de se faire par le désir de notre cœur. C'est le voile qui s'appelle, l'idée qui s'appelle « je suis séparé » qu'on a mis sur la lumière et maintenant qu'on est en train de faire partir en élargissant sa vision. Regardez ce que fait mon corps automatiquement. Mon corps, c'est un instrument. Ça, c'est un instrument de ma bonne volonté. Je suis bonne volonté. Avant d'être Laurent, je suis bonne volonté. Bonne volonté de croire à des idées fausses ou bonne volonté de croire à des idées vraies. Et petit à petit, d'arrêter même de croire tout entier. Parce qu'une croyance est une idée à laquelle j'ai donné mon allégeance plusieurs fois. Elle est devenue vraie et je la vois. Vous en faites pas si on va pas avoir le temps de faire tout le message, c'est pas grave. J'aime bien rester 3 ans sur 2 paragraphes. Non, j'exagère pas du tout. Le travail de guérison de l'esprit est un travail conscient parce que l'ego opère dans le domaine du conscient. Et là, il s'adresse à Laurent. L'expérience que tu as eue est une percée. Une percée de lumière dans une conscience d'obscurité. C'est une expérience qui t'est venue, très très important ce paragraphe. C'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir, ta bonne volonté, car elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Alors c'est clair pour nous ça, je vais y revenir. Vous inquiétez pas, on va passer une demi-heure là-dessus, vous inquiétez pas. Mais comme tu n'as pas encore désiré lâcher complètement l'obscurité, l'expérience ne pouvait être que temporaire. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. On a juste maintenant la confirmation de ce dont on venait de parler tout à l'heure. C'est comme ça que les enseignements ont lieu. Le temps est tordu, on tord le temps. C'est notre futur qui nous parle. Dans notre présent, le petit futur, le futur de 5 minutes plus tard, de 1 quart d'heure plus tard, comme ça, quand on arrive, regardez l'amour, quand on arrive à cette expérience-là, le lire, on l'a déjà compris. Et ça devient confirmation de ce que je sais déjà. Je plante la graine, c'est déjà accompli. Je ne vous apporte pas quelque chose de nouveau, vous savez déjà ce dont il est question. Nous sommes en train de nous rappeler ensemble que nous ne sommes pas en surface et nous n'apprenons pas quelque chose. Donc, j'enseigne ce que je n'ai plus besoin d'apprendre. Parce que j'enseigne d'habitude ce que je dois apprendre. Bon, on reviendra de toute façon sur la dichotomie enseignement, enseigner, apprendre, qui est la même chose. Pareil que donner, recevoir. L'expérience que tu as eue est une percée de lumière dans une conscience d'obscurité. C'est quoi la conscience d'obscurité à l'image de ce qu'on vient de dire? C'est une conscience qui est basée encore sur la croyance que je suis séparé est vrai. Pas de problème avec je suis séparé, c'est une idée comme la tour Eiffel est pointue. Le seul souci, à la rigueur, si on peut parler de souci, mais c'est même pas un souci à partir de la lumière, c'est une expérience, c'est tout à fait neutre, c'est une expérience, elle nous fait souffrir, donc on la met à la poubelle. Comment? En pardonnant cette idée. Comment? En voyant que je suis séparé est une idée que je ne vais pas garder parce que ça n'est pas une idée que mon cœur approuve comme étant vraie. Mon cœur est branché lumière, amour et joie. Et je suis séparé ne vibre pas lumière, amour et joie. Donc je prends la décision de foi de ne plus y croire, de dire c'est pas vrai, c'est faux. C'est une croyance qui n'est pas vraie. La tour Eiffel pointue, ça ne me dérange pas. Maintenant, la tour Eiffel pointue réelle à l'extérieur de moi, ça provient de l'idée plus importante que la tour Eiffel est pointue. Je suis séparé. Et quand je fonctionne à partir de ce filtre que j'ai mis dans mon inconscient parce que j'ai plus envie de le voir, j'ai créé comme ça un inconscient, parce que j'ai plus envie de le voir, je suis au contrôle du truc, quoi. Et hop, il est passé derrière, où il y a un inconscient sur lequel il faut faire du travail. Non, il faut juste désirer voir ce que je veux voir vraiment. Et là, toutes ces idées vont remonter à la surface. Et parce qu'elles remontent à la surface, je vais pouvoir trier le bon grain de l'ivraie. Je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux.
qu'est-ce qui résonne avec mon cœur, au-delà de tout ce que ma pensée de me dit, quoi. C'est une expérience, cette percée de lumière, c'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir. Elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Quelque chose que j'avais dit dans un atelier quand j'en avais parlé, je crois que c'était à Marcevol, mais... ou à Annecy, je crois, je ne m'en rappelle plus. C'est que j'ai mis longtemps à embrasser cette idée-là, à embrasser que cette expérience est venue de moi. J'étais beaucoup plus tranquille finalement avec l'idée, elle m'est tombée dessus parce que j'ai de la chance, parce que je suis quand même chouette, parce que je suis l'élu, parce que Dieu m'aime bien, etc. C'était beaucoup plus pratique et ça allait beaucoup plus à travers mon filtre pour comprendre même les enseignements spirituels. Parce que je ne voulais pas ce pouvoir, je ne voulais pas être responsable de tout. Et je suis mal tombé, hein. Ne voulant pas être responsable de tout, avec ce truc-là, je suis très très mal tombé. Et je suis très très content d'être mal tombé. Hein. Parce qu'il n'y a pas une ligne dans laquelle il va me dire « Ah oui, t'es spécial, ouais. » Ou alors « C'est pas de ta faute. » Ou alors « Ah, c'est difficile, ouais, effectivement. Ouais, c'est super difficile, je te plains. » Je te plains, mais t'es quand même très très spécial. Non, on est spécial parce qu'on est, par comment est-ce qu'on est créé, on est très spéciaux, quoi. Ce qu'on croit, on le voit. Vous voyez plus spécial que ce truc-là, vous ? Ah, mais si ce que je crois ou ce que je veux croire, c'est pas de ma faute, je vais le voir et je vais en faire l'expérience. Je vais être une personne qui va avoir les pensées, les émotions et les perceptions et le corps de quelqu'un dont c'est pas de la faute. C'est pas de sa faute. Mais ça, c'est de la réussite totale. C'est de la maîtrise complète, cette expérience. Elle arrive, toute l'expérience arrive, vous pouvez dire de la croyance, mais il y a une petite victime qui va se faufiler dans la croyance parce que c'est le travail psychologique, le travail spirituel. Il n'est pas question de ça. Il est question de volonté et de désir. Je vois ce que je veux voir, je crois ce que je veux croire. C'est sur les ailes de ma bonne volonté ou de mon désir que je vois ce que je vois. Que je crois ce que je crois, que j'ai les pensées que j'ai les perceptions que j'ai. Que j'ai l'expérience d'être séparé. C'est sur les ailes de ma bonne volonté de chérir cette idée. C'est génial, hein ? C'est énorme. C'est magnifique. Je me fais marrer, grave. C'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir, ta bonne volonté, car elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Vous voyez la dynamite que c'est, ça ? Et je vous invite à, comme vous me connaissez, à faire ça très large avec tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez est là parce que vous avez le désir ou la bonne volonté, un, que ce soit là, et deux, d'en faire l'expérience. Mais comme tu n'as pas encore désiré lâcher complètement l'obscurité, l'expérience ne pouvait être que temporaire. Merde. Mais en fait, c'est pas merde, c'est chouette. Ça veut dire que, un, ça me tombe pas dessus, et ça veut dire, deux, que je suis à la maîtrise, je suis au contrôle, un mot que la personne séparée déteste, quoi. Enfin, la personne séparée déteste, non. La personne séparée adore le contrôle, mais il s'agit pas de ce contrôle-là. Je suis aux commandes de mon univers, et j'ai les expériences que je me commande d'avoir. Alors, je n'avais pas désiré lâcher complètement l'obscurité. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est désirer lâcher l'idée qui met un filtre sur la lumière une que nous sommes. Et ce filtre, c'est « je suis séparé ». Je suis une personne séparée avec une volonté séparée, un regard séparé, des pensées privées, avec des verbes qui deviennent des verbes personnels. Alors que les verbes ne sont pas personnels. Et c'est par la réunion de ces verbes que nous apprenons que nous sommes des fils et des filles de ce verbe réuni. Le verbe, c'est tout. Et tout est une action et un état. Une dynamique et un être. Les deux à la fois. Et même cette dichotomie, elle se transcende. Je pense à Esther, elle se transforme dans l'Ein Sof. Elle se transforme dans l'absolu. Là, on parle du côté créateur.
Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. Vous voyez ce bloc de responsabilité qui nous arrive dès le premier paragraphe. C'est génial. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. Ça répond à beaucoup de questions que j'entends aujourd'hui ou que j'ai également. C'est je vais essayer de ne pas faire ça, de machin, de juger l'expérience. Non, ça nous fait asseoir de plus en plus dans l'amour et dans l'acceptation de ce que nous sommes. Donc toutes les expériences qui arrivent, je n'ai pas envie de les dégager parce qu'elles vont revenir. Pourquoi elles vont revenir? Mais parce que si elles sont là, c'est que l'idée de base est là dans mon esprit. Donc ça me donne envie de moins en moins de juger mon expérience. Mais de plus en plus d'accepter mon expérience. Parce que accepter mon expérience, c'est accepter le créateur de mon expérience. Accepter le créateur de mon expérience, c'est m'accepter, m'aimer et retourner le voile complètement sur lui-même. Parce que ce voile, il a tourné au vinaigre quand on y croit. Pourquoi? Parce que ce voile s'appelle « je ne m'aime pas, je me déteste, je me sens coupable pour ce que j'ai fait. Je m'auto-juge et je ne veux plus voir ce jugement, je vais le mettre à l'extérieur. Je maintiens un voile et une barrière d'extériorité comme ça parce que j'ai peur de mon propre jugement sur moi-même. » Mon propre jugement est en train de me dire « je ne mérite pas, je suis indigne de qui je suis et j'ai envie de l'oublier, j'ai plus envie de le voir. » Par la compréhension, le partage, l'acceptation, la vibration, la reprise des commandes, ce voile se déchire entre nous. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas le jugement, nous sommes l'amour. Et ne pas nous aimer, c'est notre seul problème. Pourquoi ? Mais parce que s'aimer, soit c'est la substance de cette expérience. Même si elle est de 3%, et même si elle est extérieure, même si elle est solide, elle est difficile, elle est quand même faite de l'amour de soi, qui a semblé prendre la forme à travers un voile d'obscurité de « je me déteste ». Et c'est pas de ma faute, et j'ai plus envie de voir que c'est de ma faute. Eh bien, quand les cœurs gueulent la vérité, il y a ça qui arrive. Donc ça, c'est pas un livre. Ça fait « coucou, bonjour, tu n'es pas dans le monde ». T'es responsable et tu te prends pour une petite victime et c'est de la faute des autres, etc. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. Et si tu veux bien m'écouter, tu vas me permettre de rentrer dans ton corps, dans ton expérience. Tu vas te rappeler de qui t'es véritablement par moi. Je suis cette mémoire en toi. Tu vas te rappeler de qui est ton frère, de comment les expériences en viennent. Et tu vas surtout vraiment garder l'œil sur tous tes jugements. Tu vas observer tous tes jugements sans les juger. Tu vas remercier la conscience d'être consciente. C'est pas toi qui as créé la conscience. Là, on est sur une ligne assez fine, quoi. C'est pas toi qui a créé qui t'es, en fait. Qui a créé je suis. C'est pas toi qui l'a créé. C'est moi. Et on va s'habituer à la place de juger, à remercier son expérience. En remerciant son expérience, on remercie la conscience de son expérience. Et en remerciant la conscience de son expérience, on voit qu'on n'est pas le jugement, on voit qu'on n'est pas l'abomination que le jugement nous dit que nous sommes, mais au contraire, on est les créateurs de cette expérience et donc les créateurs du jugement aussi. Pourquoi je dis tout ça? Et on va rentrer bien évidemment là-dedans. Une des grosses graines, c'est l'acceptation et la confiance de toute mon expérience telle qu'elle est. Je ne veux absolument plus juger mon expérience, parce que juger mon expérience n'est pas utile. Ça ne m'amène pas l'expérience que je veux vraiment, en fait. Juger mon expérience, c'est dire, un, qu'elle est réelle, et deux, que je suis coupable. C'est également pas intelligent. Pourquoi? Parce que comme tout vient de moi, essayer de faire du marchandage, du commerce avec l'expérience, ou avec Dieu, comme disait Betty, par exemple, c'est de faire du commerce avec Betty, c'est pas du tout intelligent. Ça veut dire que ce qui est là, ben, finalement, j'en veux pas. Mais ça, c'est à l'inverse même de qui on est. Ce qui est là parce que je le veux. Parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai choisi. On rentrera beaucoup plus en détail dans... Ah voilà, le message, on m'a récupéré, super. C'est bien de l'avoir récupéré. Ce qui est là, c'est ce que je veux, je l'ai choisi, il est là. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. C'est-à-dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je comprends bien cette phrase et si je m'endors avec en la répétant 15 fois avant de me coucher... Et en ressentant, parce que je peux répéter tout ce que je veux, je peux faire le mantra que je veux, mais le but du mantra n'est pas le mot en lui-même, mais l'énergie d'où il vient. Il peut avoir le pouvoir de déchirer le voile de la signification, ce mantra, si je le répète avec tout mon cœur. Moi, ce que je vous propose, c'est pas répéter bêtement, c'est
voir de près et comprendre ce dont il est question, voir le cadeau que c'est, voir la descente de la lumière juste par cette phrase. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit. Mais si je comprends ça, mais je vais arrêter de juger mon expérience, je vais commencer à approcher toute mon expérience, mais même mon expérience des grosses douleurs, quoi, des gros trucs qui montent, avec un super enthousiasme. Pourquoi c'est là? Mais parce que l'idée de base est dans mon esprit. Il devient complètement idiot, mais je vous invite à respirer, à être avec l'évidence que le jugement est débile, quoi. Une fantaisie, comme disait Regina, l'esprit à travers Regina, qui est également l'esprit, d'accord, on fait des différences, mais il n'y en a pas du tout. La voix qui nous a dicté l'interprétation du Nouveau Testament, le jugement est une fantaisie. Le jugement déclare que quelque chose qui n'est pas là est là, le juge réel, et le juge pas bien, ou bien. Et ça crée un piège de peur, parce que ça ne sont pas des idées qui nous parle de l'amour et de la lumière et de la joie que nous sommes. Juger n'est pas la joie. Et ça peut amener une petite excitation de dire c'est bien, plutôt que c'est mal. Mais dès que je dis c'est bien, hop, j'ouvre à la possibilité de c'est mal. Et je fais ça, je consolide le filtre principal que j'ai mis sur la lumière, le filtre de la séparation. Vous voyez bien que tout ça nous donne envie d'arrêter de juger. Il ne s'agit que de ça en fait. Hein. Il s'agit de regarder toute notre expérience par confiance, acceptation et non-jugement. Comment? En regardant les jugements, en regardant la peur, qui n'est rien d'autre que le corps émotionnel ou l'émotion qui est en train de nous dire « t'es en train de croire un truc qui n'est pas aligné, tu vas le regretter, quoi. Tu vas le regretter parce que ce n'est pas vrai. Merci ma peur, merci de me dire que juste avant toi, il y a du jugement, et ce jugement, j'y crois. Je suis très content de le voir, ce jugement, maintenant. » Et à remercier la conscience de me montrer le jugement sans y croire. Plus tard, dans les enseignements de l'esprit, il nous dit « plante la graine, désire, ait l'intention, la bonne volonté, ou plutôt désire, voir ton jugement sans juger. » Désire voir ton jugement sans juger. En fait, ça ne veut rien dire d'autre que remercie la conscience. Remercie la conscience d'être consciente. Je vous invite à prendre 30 secondes pour réaliser que vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Quelqu'un sait faire ça? Vous êtes conscient. Je suis conscient. Énorme. Et quand je vois, par exemple, je vois, je goûte, je sens, n'importe quand je dis vois, je parle de toute l'expérience en fait. Alors il peut y avoir la tour Eiffel qui est là, mais il y a la conscience de la tour Eiffel qui est là. Je suis conscient de la tour Eiffel, je suis conscient de ma peur, je suis conscient du fait de parler. Merci la conscience. Plus tard, dans un message, il nous dira, tu ne dors plus quand tu vois. Quand tu es conscient de quoi que ce soit, tu ne dors plus. Ce qu'on veut, c'est arrêter de dormir, c'est-à-dire lever le voile de l'obscurité, de l'endormissement sur la vraie nature de ce que nous sommes, la pure, pure, pure conscience hors du monde, dans laquelle l'expérience du monde arrive avec différentes vibrations et différentes teneurs d'expérience. Mais tout arrive sur la grosse lumière que nous sommes. Et encore, elle n'est pas grosse au sens... Elle est juste énorme. Et on la partage. Vous savez pas où la conscience commence et où elle s'arrête. Donc qui vous dit que la conscience qui est derrière ces yeux-là, apparemment, parce qu'elle n'est pas derrière les yeux, n'est pas la même qui est en train de me regarder maintenant. Voilà une autre façon de casser la matière. Et d'être dans l'amour et de passer aux profondeurs. Dans les profondeurs, nous sommes un, nous sommes en relation. Namasté dans les profondeurs, namasté. Je pense à Eric qui est là, c'est Namasté Baba. J'adore. C'est magnifique de se retrouver aux quatre coins du monde, hors du temps. On passe au paragraphe suivant. Si tu veux revenir à la lumière de façon permanente, tu dois avoir le désir de renoncer à toute expérience autre que la lumière. Ceci exige davantage qu'un simple souhait. À un niveau conscient, cela exige du travail, l'acte mental de le vouloir constamment.
rappelle, c'est le tout premier message, et on pourrait même dire que c'est le dernier, si vous voulez. C'est de l'or en barre, quoi. Alors, si tu veux revenir à la lumière de façon permanente, c'est bien évidemment ce que nous voulons. Alors, on prend 15 secondes pour dire, oui, c'est ça que je veux. Je veux revenir à la lumière de façon permanente, à la lumière de la conscience, à la lumière de la fluidité, à la lumière de mon unité, de mon amour, de la réception, quoi. De la réception de toute cette intelligence qui est là pour me guider, en fait. Et qui me dit, je suis toi. Je suis derrière le voile, je suis toi. On est ensemble, on est énorme, on est des êtres de lumière. Tu dois avoir le désir de renoncer à toute autre expérience que la lumière. Alors, si mon désir, c'est si je dois faire augmenter en moi le désir de renoncer à toute autre chose que la lumière, parce que j'ai compris que ce que je désire, je le vois, donc si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je dois arrêter de le vouloir. Donc, un, je dois voir où est-ce que je le veux, comment est-ce qu'il vient, et je dois désirer renoncer, finalement, à vouloir ce qui n'est pas la lumière. Il n'est pas en train de nous faire un truc de religion, il est en train de nous faire un truc de... Si c'est pas ce que t'aimes, arrête de le vouloir. Pour arrêter de le vouloir, je t'invite à vouloir à fond ta vérité. Et pour vouloir à fond ta vérité, il faut arrêter de vouloir l'obscurité. C'est tellement simple. Mais quand j'ai arrêté de vouloir l'obscurité, et ça c'est mon étendard, c'est là où je plante ma vision, alors... Tout ce qui va remonter à ma surface va avoir ce but que je lui ai demandé, parce que j'ai cette puissance, j'ai demandé ça, tout ce qui monte arrive sur les ailes de ce but que j'ai demandé, de ce désir que j'ai demandé. Je veux voir toute mon ancienne envie, mon ancien désir d'obscurité, à travers toutes ces expériences de contraction, de machin, de trucs, de pensée, d'émotion. Je veux les voir arriver à mon expérience pour dire, je les accepte, ils viennent de moi, et dans cette acceptation, je n'ai plus à y croire. Ceci va me permettre... de mettre encore plus d'essence, encore plus de fuel dans le vrai désir de mon cœur, pour ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ça veut dire que je ne veux pas encore à 100% ce que je veux vraiment. Donc il y a une sorte de division dans notre volonté. Par ce chemin, on embrasse cette division, on est doux avec la division de notre esprit. Notre esprit est divisé entre « je veux ce que je ne veux pas vraiment » et « je veux ce que je veux vraiment ». On va vouloir... Nous, on a la position de le libre arbitre de choisir au niveau de la cause, de choisir le désir qui va me ramener à la maison ou le désir qui va continuer l'expérience d'être meilleur que les autres ou moins bon. C'est pareil. Moi, je suis cet agent libre, conscient, qui choisit son expérience. Au niveau de la cause et qui fait « Ah, ça, ça vient parce que je l'ai désiré. Mais est-ce que c'est mon vrai désir? Est-ce que c'est la lumière, l'amour que je veux ?» Non. Ok, j'embrasse parce que ça vient de moi et j'en profite pour planter la graine de mon vrai désir. Mon vrai désir, c'est tout simplement « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et non seulement je vais me rappeler de qu'est-ce que je veux vraiment, mais je vais choisir de désirer ce que je veux vraiment. Hein? Je désire désirer ce que je désire par-dessus tout. Ne comprenez pas ces mots. Laissez-vous danser par cette danse de désir. Je désire désirer ce que je désire par-dessus tout. Et pour ça, je veux voir comment je désire encore désirer ce que je ne désire pas vraiment. Être meilleur, être moins bon, réussir ma vie, comprendre. C'est pas ce que je veux, ça. Et la tour Eiffel qui s'illumine, pas encore parce qu'elle s'illumine toutes les heures, mais qui s'illumine dans mon esprit, c'est un tel magnifique symbole du phare, et c'est un tel magnifique symbole de l'unité, quoi. Assez phallique, je vous l'avoue. Mais l'unité est également, l'énergie sexuelle est magnifique aussi, c'est toute cette création. Mon esprit est totalement sexuel, si vous voulez, ou sensuel même. C'est totalement fertile, c'est de l'amour pur, quoi. On a tellement de choses à découvrir. À vivre. Je désire désirer ce que je désire vraiment seulement. Voilà la graine. Et ceci exige davantage qu'un simple souhait. Parce que moi j'étais là, ouais, je veux seulement, mais oui, mais il n'y a pas un souhait.
prends la responsabilité, la force de ton désir, qui est la force de la pure lumière, qui se rappelle qui t'es. À partir de là, prends la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie, de tout ce que tu as demandé, de tout ton passé. Même si ça n'est qu'intellectuel, c'est déjà très fort. Ça te permet de descendre beaucoup plus en profondeur. Et à partir de là, fais « j'accepte ». Je fais confiance et je me rappelle ce que je veux véritablement. Et je désire, désirer ce que je désire par-dessus tout. Et là, mon univers tout entier, il commence à se tordre selon les codes de lumière de l'intelligence supérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut autre chose que ça? Pas moi. À un niveau conscient, cela exige du travail. L'acte mental de le vouloir constamment. C'est moins tarabiscoté en anglais, bien qu'il emploie des mots tarabiscotés exprès pour nous faire arrêter dessus. The mental act of consistent willing. L'acte mental de constamment répéter ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Rappelez-vous du cours en miracle où tous les exercices, rappelle-toi le plus possible dans la journée, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux voir, je veux la paix de Dieu, je veux voir différemment, je suis déterminé. C'est que des déclarations de désir, 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 désir. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous rappelez quand je vous invite souvent à ne pas voir votre expérience comme juste une expérience. Je ne marche pas dans le monde et je ne vais pas voir la boulangère. Je marche dans mon désir. Je rencontre ma sœur, je rencontre mon désir. La façon dont je vois la boulangère, c'est mon désir qui me le montre. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est juste 3%? Ou est-ce que c'est une célébration des 97%? Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour ce que je suis en train de dire là. Je peux juste le désirer et attendre avec la conviction ou la bonne volonté, ou la confiance, ou la foi, ou la conviction. La conviction, c'est automatique. La conviction ne demande plus de temps, ne demande plus de délai pour voir ce que je crois, pour voir ce que j'ai demandé. D'abord, je vois une boulangère, puis après, il y a la façon de la voir. Qui est très intéressante. Et c'est sur la façon de la voir, je choisis librement la façon de voir les choses, selon le vrai désir que je choisis, selon le désir que je choisis vraiment. L'acte mental de le vouloir constamment, plus je vais me rappeler de ce que je veux, plus je vais m'apercevoir que ce rappel n'est pas du tout un petit rappel de la personne. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « ouais, mais ça c'est la personne, c'est pas moi, il n'y a personne qui fait, il n'y a personne qui veut ». À cette remarque objective d'ailleurs, qui est tout à fait juste, parce qu'on est passé par ce pan-là de l'Advaita, ce nouveau pan-là, le pan créateur, le pan créateur de la conscience, c'est l'invitation de voir que la petite personne est l'effet ou le résultat de mon désir plus profond. Quand ce que je veux, c'est continuer l'expérience de l'obscurité ou l'expérience d'être ce que je ne suis pas, ben je vais forcément créer un personnage. Avec, c'est vrai, une fausse volonté, une fausse pensée, un faux propriétaire de corps. Ce personnage-là, quand on le regarde, il n'est pas là. Mais on se prend pour ça, sauf quand on veut bien arrêter. L'obstacle qui empêche de faire ce travail, il nous parle de travail, parce que c'est un travail, de faire ce travail, est la peur, mais celle-ci est en quelque sorte une plaisanterie quand on la regarde depuis la perspective de la lumière. En fait, la peur n'est rien en soi. Aussi, ne peut-elle constituer un obstacle réel. La peur est simplement une pensée dans l'esprit qu'on peut écarter grâce à la bonne volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur, c'est le premier résultat, le premier effet du jugement. Il ne peut pas y avoir de peur sans jugement. Et la base de la peur, c'est le jugement. Mon esprit est apeuré, est affolé, parce qu'il croit encore au jugement. Il y a plein de jugements en dessous. Le premier jugement, c'est « je suis ce que je ne suis pas ». Le deuxième, c'est « réel ». Le troisième, c'est « pas bien ». Le quatrième, c'est « j'ai pas envie de voir ça parce que c'est pas bien ». J'ai créé de la peur en ne voulant pas accepter ce qui est là. Et j'ai voulu oublier cette peur et je me retrouve en surface comme ça, apparemment complètement, complètement coupé de mes racines. La peur est simplement une pensée dans l'esprit qu'on peut écarter grâce à la bonne volonté. C'est toujours grâce à la bonne volonté. Je n'ai aucun agissement de défaire quoi que ce soit de façon horizontale, en direct. Non, je vais à la cause et je dis « j'accepte ce qui est là parce que ça vient de moi » et à partir de la cause, je souhaite voir que ça n'est pas vrai. Le travail peut aussi être appelé décision de foi.
Voilà pourquoi il appelle ça le travail de guérison. Tu observes les pensées qui se trouvent dans l'esprit et tu te demandes, cette pensée est-elle la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Si la réponse est non, tu dois la laisser passer par une décision de foi. Tu prends la décision de foi de ne pas croire, de ne pas y croire cette pensée, de ne pas l'écouter, en sachant avec foi que cette pensée n'est pas vraie. Voilà le travail. C'est le fameux « c'est pas vrai » que j'emploie très très souvent. Est-ce que c'est aligné sur la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Vous allez tout de suite savoir si c'est le cas. Parce que nous sommes l'amour et la joie que nous recherchons, donc nous savons ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Si ça n'est pas vrai, si ça n'est pas ça, c'est pas vrai. Alors vous allez me dire, mais c'est trop facile de dire c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit que c'est un travail. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une décision de foi. On prend la foi au début aveugle de dire, ça ne résonne pas, donc ça n'est pas vrai. Ça vibre la peur, donc ça n'est pas vrai. Dès que la peur arrive, c'est un indicateur que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que c'est pas aligné sur ce que je recherche. Ça n'est pas aligné sur ce que je veux par-dessus tout. Ça peut paraître difficile au début parce que certaines pensées peuvent te sembler très vraies. C'est pour ça que j'appelle cela un travail et c'est aussi pour cela qu'on dit qu'on le fait par la foi. Donc c'est vraiment l'observation des pensées. Derrière l'observation des pensées, c'est le rappel que je suis créateur de toutes choses. C'est le rappel que je veux voir mes jugements par-dessus tout. Je veux voir la source des pensées. Il y a des pensées ou des idées ou des manifestations qui viennent depuis la source de la séparation et d'autres qui viennent depuis la source de la joie. Et la source de la joie, c'est ce que je veux par-dessus tout. Donc je vais aller voir tout ce qui vient de la source de la non-joie et dire c'est pas vrai parce que je n'en veux plus. J'ai envie d'ouvrir le mode question-réponse pour voir si vous avez des questions. Si vous en avez, vous appuyez sur le... sur la main, je crois qu'il y a une main qui vient d'arriver. S'il y a des questions, autrement il y a peut-être, je vais mettre le chat également, peut-être que vous voulez, ah voilà il y a une question d'Esther, génial. Une question de Martine aussi, donc je ne vais pas mettre le chat, je vais prendre Esther. Et je vais voir si ça marche. Parle, voir, attends, ça met un peu de temps. Allô, allô? Est-ce que t'as, eh bien, il faut que tu aies un micro aussi, Esther. Mode question-réponse. J'ai toujours pas Esther. Peut-être que je t'aurais tout à l'heure. Parfois, ça marche pas très très bien. L'autre jour, ça marchait très bien. Bon, je vais donner... Ah oui, mais elle est partie. Ah, non, reprendre la voix. J'ai toujours... Esther devrait toujours marcher, mais ça ne marche pas. Je vais donner la voix à Martine. Attends, avant de donner la voix à Martine, je vais voir... J'attends toujours un petit peu Esther. Mais tu ne sembles pas arriver, Esther. Peut-être que tu n'as pas de micro. Non, je ne te vois pas arriver. Dommage. Attends, tu sais quoi? Je vais reprendre la voix d'Esther et je vais donner la voix à Martine. On va voir si ça marche. On attend de la réponse de l'utilisateur. On attend ta réponse, Martine. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça attend ta réponse. Ah, participant attendant de poser une question. Martine, ça y est. Allô? Oui. Ah, ça y est, tu marches. Voilà. En fait, ma question... Donc... Attends, voir. T'es toujours là? Donc... ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Attends, répète ta question s'il te plaît, ça a coupé. Donc, au départ, les pensées se présentent et je reconnais, je la vois et je me pose la question, est-ce qu'elle est en accord avec ce que je suis, avec la joie, l'amour, etc. Si elle ne l'est pas,
Ok, donc je n'accepte pas. Mais comment faire concrètement pour effectivement ne pas l'accepter, ne pas s'y accrocher, ne pas adhérer et la laisser passer? Super question. Ok, merci de ta question, Martine. Je vais reprendre. De rien. Je vais reprendre. Attends. Non, mais je vais te laisser là. Tu dois faire quelque chose maintenant ? Non, 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 tu fais rien. Je vais te laisser là et je découvre avec toi comment ça se passe. Eh bien, c'est une excellente question parce que ça nous amène dans la définition même de ce que veut dire accepter. Et il y a deux définitions pour accepter, du moins telle que l'esprit nous en parle et telle que j'en parle maintenant aussi, parce que je suis un petit peu formaté par l'esprit, par cette voix du moins. Il y a deux accepter. Il y a accepter parce que c'est là et parce que c'est juste. Tu vois, j'accepte mon expérience parce qu'elle est là. Donc si la pensée elle est là, ben, je l'accepte parce qu'elle est juste. En réalité, tu l'as déjà acceptée parce qu'elle est là. Qui t'est, la conscience par exemple qui entend ces paroles, a déjà accepté mes paroles, n'est-ce pas? Donc il y a cette acceptation-là. Il y a une acceptation qui est une acceptation de non-jugement, qui est l'acceptation qui est rien d'autre que voir les choses telles qu'elles sont. La pensée est là, la pensée est là. Eh bien, quand tu dis la pensée est là, t'as arrêté de vouloir qu'elle ne soit pas là. Comme la voix de Laurent est en train de parler, tu peux essayer de la refuser tant que tu veux. Mais en réalité, tu l'as déjà acceptée. Donc quand tu dis « j'accepte ta voix », d'abord tu t'aperçois que c'est un peu rigolo parce qu'elle est déjà passée, mais « t'acceptes ma voix », c'est une façon de dire, c'est une façon de couper l'habitude de la juger. « Ah ben j'aurais aimé que ta voix soit différente », par exemple. Ok ? La pensée ou le sentiment « j'aurais aimé que ta voix soit différente » ou « j'aurais aimé que cette pensée ne soit pas là », si tu veux. Ça, c'est une pensée sur laquelle il faut travailler. Est-ce que cette pensée, c'est l'amour, la joie et la lumière que je recherche? Non, la pensée, ça devrait être différent. Non, ça n'est pas la joie. Pourquoi? Parce que la joie reconnaît ce qui est tel quel. Donc, un, j'accepte la pensée de non-joie, qu'on appelle le jugement, je l'accepte telle quelle puisqu'elle est là. Mais je ne la réaccepte pas dans mon esprit. Comment? En arrêtant d'y croire. Donc, c'est comme si je m'entraîne à faire la pause. Je pose le truc qui va vite dans mon esprit. Je prends une télécommande et je fais pause. Pause. Quand je fais la pause, je viens de faire une chose. Je viens d'accepter la pensée, accepter la présence de la pensée. Donc, elle est là. Ça peut être une pensée d'attaque. Parce que j'attaque quelqu'un. Pause. Un, je sais que c'est une pensée. Déjà, c'est énorme. Deux, je l'accepte. Trois, je veux bien la regarder. Tout ça, ça s'appelle accepter. Et je la regarde de près, puis maintenant... Je me demande, est-ce qu'elle est vraie, cette pensée? Est-ce qu'elle parle de mon unité? Est-ce qu'elle parle de mon unité avec la personne? Ou est-ce qu'elle parle de ma séparation avec la personne? Tu vois, je l'interroge, je la mets sur le grill, je la mets en doute, je la regarde de près. Je ne la laisse pas passer, je la regarde de près. Eh bien, faire ça, c'est, tu vois bien l'énergie, tu vois bien que c'est déjà ne pas la réaccepter comme si elle était vraie. Juste cette attitude à arrêter d'accepter, ou plutôt de réaccepter. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon langage, réaccepter? Ça veut dire recroire, ça veut dire croire qu'elle est vraie. Pour ça, il faut qu'on fasse, un, la pause. Mais la pause arrive seulement quand j'accepte. Parce que si je suis encore en train de juger la pensée, bah, elle est déjà partie, j'en veux plus, c'est pas bien. Donc, je vais travailler sur mon jugement. Et je fais la pause sur mon jugement, et maintenant, je regarde mon jugement. Mon jugement me dit que cette chose ne devrait pas être là. Est-ce que cette pensée est la joie, la lumière et l'amour que je ressens et que je recherche? La réponse est non. Quand la réponse est non, je m'aperçois que cette pensée n'est pas vraie. Je ne veux plus l'accepter en tant que vraie. Je l'accepte en tant que juste parce qu'elle est là. Je ne la réaccepte pas en tant que vraie parce qu'elle n'est pas vraie. Parce que j'ai pris le temps d'arrêter le fil du truc qui va vite, d'arrêter le film de toutes mes pensées. Je prends le temps pour ça. Et je la mets en doute. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie, ça veut dire? Est-ce qu'elle parle de la vérité? Et tu vas voir tout de suite que ce n'est pas le cas. En voyant tout de suite qu'elle n'est pas le cas, eh bien, tu as automatiquement arrêté de la réaccepter dans ton esprit comme si elle était vraie. Est-ce que ça éclaire un tout petit peu la pratique? Oui. Merci. Avec joie. Merci de ta question. Je reprends la voix de Martine. Si vous avez des questions, c'est sur le question-réponse. Ah, Esther commence, boum, on y va. En attente de la réponse, ça a coupé chez moi, mais ça devrait toujours aller. En attente de la réponse de l'utilisateur, on va voir si Esther arrive ou pas. J'attends avec vous. En attendant Esther, c'est ça un beau titre, en attendant Esther.
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. J'attends toujours la réponse de l'utilisateur. Donc je veux juste remercier encore Martine pour voir quel est ce, de quoi on parle de façon pratique. 1. J'accepte parce que c'est juste. Et 2. Est-ce que je réaccepte dans mon esprit cette pensée? C'est-à-dire, est-ce que j'y recrois? Est-ce que je décide d'y croire? Parce que si je décide d'y croire, je décide de la rendre réelle, cette pensée. C'est parce que j'ai 1. Accepté, 2. Fait une pause et arrêté de juger, que je peux regarder ma pensée de près et me demander, est-ce qu'elle parle de ma lumière, de mon amour et de ma joie? Tu vas voir tout de suite que non. Si c'est non, au début, c'est un travail, un entraînement de l'esprit, c'est une décision de foi de dire non, c'est pas vrai. Après, cette décision de foi devient de la certitude. C'est je suis certain qu'elle n'est pas réelle. Donc, je ne l'accepte plus. J'accepte plus en voyant qu'elle n'est pas vraie. J'ai un problème avec ta voix, Esther, parce que apparemment, j'arrive pas, ça n'accroche pas, le programme n'accroche pas, il est toujours en attente de réponse de l'utilisateur. Peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose, peut-être qu'il faut que tu acceptes le fait que je te donne le micro. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais reprendre la voix une fois de plus et je vais prendre la question d'Anne-Marie. J'attends la réponse de l'utilisateur qui est Anne-Marie maintenant. Pas Anne-Marie de Belgique, mais Anne-Marie Malais. Alors, est-ce que je t'ai... Non. Non, toujours pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, et que j'espère que ça vous a éclairci sur cette pratique, qui est une pratique magnifique, quoi. Regardez, j'ai envie de lire avec vous la fin du message, parce que là, on a vraiment la pratique et on a cette énergie. Puisque la peur est le plus grand obstacle à ce travail, des pensées de peur peuvent venir à l'esprit pour t'empêcher de continuer à faire ce travail. C'est les obstacles. Par exemple, une pensée de peur pourrait te dire « si tu laisses tomber cette pensée, t'es idiot ». C'est-à-dire des obstacles, de la résistance, ou alors tu vas le regretter. Ou alors elle pourrait te donner bien d'autres raisons fondées elle-même sur la peur, qui est fondée, elle, sur le jugement, pour ne pas faire le travail. Tu dis « non, ça marche pas, non ». Alors je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pensée beaucoup, genre « ben non, mais c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est pas du tout ce que j'ai appris, j'ai pas ce pouvoir ». Tout ça, tout ce petit dialogue qui est là pour vous empêcher de faire ce travail. Ok ? Donc basé sur le jugement et sur la peur de faire ce travail. Il nous dit « voilà justement une pensée sur laquelle le travail doit être fait. Regarde-la bien et demande-toi, est-ce là la lumière, l'amour et la joie que je recherche ?» Vous voyez ? Mais comment faire ce travail ? En faisant, un, la pause, l'acceptation, le non-jugement, et regarder la pensée qui est en train de me dire « je suis tout petit, je ne suis pas responsable, c'est pas de ma faute, je juge, j'aime pas, etc. » Est-ce que c'est vrai ? C'est quoi la balance de « est-ce que c'est vrai ? » Qu'est-ce que je mets de l'autre côté de la balance ? Sur l'autre, le côté de poids, je mets « est-ce que ça résonne avec mon être ? Est-ce que c'est la lumière, l'amour et la joie que je recherche ?» La réponse est non. Quand la réponse est non, je prends la décision de foi de m'apercevoir qu'elle n'est donc pas vraie. Et tout le truc, c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, je vais le voir. Si c'est pas vrai, je le verrai plus. Mais pour ça, je dois faire la pause, je dois l'accepter, je dois embrasser mon expérience, voir que ça vient de moi, c'est encore mieux. Et puis me poser, mais est-ce que t'es vrai, ma cocotte? Est-ce que tu me parles de quelque chose dont je veux faire l'expérience? Non. Alors à la poubelle, j'y crois plus. Par une décision de foi. Est-ce là, regarde-la bien et demande-toi, est-ce là la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Tu verras clairement qu'il n'en est rien. Alors il te faudra prendre la décision de foi de lâcher cette pensée pour pouvoir reprendre le travail. J'insiste pour que tu fasses ce travail de façon constante et régulière. Vois-le comme ton travail en anglais. See it as your job. Vois-le comme ton job. C'est ton métier. À l'époque, en plus, j'avais lâché la chanson. Je me demandais quoi faire, j'étais pas encore, je n'avais pas machin. Il m'a dit, ton job, c'est ça. Il n'y a pas d'autre job que celui-là. Ta décision, c'est de voir les pensées fausses et d'arrêter d'y croire. Cette pensée est fausse. Et de la pensée fausse, tu arriveras à la croyance qu'il y a derrière. Et cette croyance est fausse. Et pour conclure aujourd'hui, la croyance de base, la source de toutes ces pensées fausses, est fausse. Mais elle s'appelle quoi? Elle s'appelle la croyance que je suis moi et que vous êtes vous.
la croyance que je suis séparé, ou dit selon les enseignements de l'esprit, c'est la croyance que je suis ce que je ne suis pas. Ok ? Est-ce là l'amour, la lumière et la joie que je recherche ? Non, ça ne l'est pas. Je sens plutôt de réouvrir le chat que de prendre des questions. Donc, je vais couper le mode. Je vois qu'il y a France et Agnès qui attendent. On répondra aux questions la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est à 17h. Parce que je rentre d'Annecy, où je pars demain. Demain, je pars à Annecy. On va faire une retraite. Donc, je sens que la question de Martine était juste absolument précise sur comment est-ce que je fais ce travail. Voilà. Même si aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu plus long, je crois, mais je ne sais pas si... Mais enfin, finalement, c'est 2 heures, hein, donc c'est pas mal. Ne m'en voulez pas, je ne sens pas de prendre les réponses. Je reviens à écoute uniquement, de prendre les questions. Je vais réouvrir le chat. Montrez voir si ça marche. Ok, ça marche. Je vais juste vous lire un tout petit peu pour voir si ça s'est bien passé. Si vous avez des questions, d'après moi, des grosses questions, mais je ne sens pas qu'il y ait des grosses questions derrière. Je sens que c'était juste parfait, comme vous voyez. Ça me semble tout à fait juste d'arrêter maintenant. Je remercie beaucoup Martine. J'aurais bien aimé entendre ta voix, Esther, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Pour avoir la parole, il faut accepter l'accès. Petite fenêtre qui s'ouvre. Ben voilà. On voit comment ça marche. De plus en plus. Que veux-tu dire, nos pensées ne sont pas nos pensées ? Je sais plus, Mirella. Tout est là. En fait, mon invitation n'est pas à poser des questions. Mon invitation est de rester avec ce qu'on vient de faire, de rester avec l'énergie derrière. C'est une excuse superbe de se réunir autour d'un livre et de parler de choses. Mais ce qui était de plus fort aujourd'hui, c'est notre silence. Alain me dit que ça lui rappelle la grande époque, mais moi aussi Alain, je trouve ça génial, avec la conscience d'aujourd'hui. Florence me dit, il y a juste maintenant à mettre en pratique, à vivre, à observer ce qui se passe. Et il est question de mettre en pratique, il n'est pas juste question de comprendre machin, parce que même répondre aux questions, je me suis aperçu que répondre aux questions n'est pas très utile toujours. Parce que ça rend réel le fait que vous n'êtes pas ce que vous êtes, vous avez besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que je dis, vous n'avez pas besoin. Merci de comprendre, Mirella, avec tout mon amour. Les réponses coulent d'elles-mêmes, elles viennent vraiment de la question. C'est incroyable de le vivre en live comme ça, très très ému, mais magnifique. Alors je ne vois pas le début, je vois Olivier, mais j'ai un truc qui m'empêche de voir. Attends, voir. Lila, merci Lila, ouais. À bientôt à Annecy, bah, tu m'étonnes, à vendredi soir à Annecy, avec grande joie. On va voir comment ça va se passer, je me rappelle des paltocs que je faisais à Annecy à l'époque où je commençais à partager, on faisait des paltocs comme ça, il n'y avait pas la vidéo, et c'était très sympa. Et donc, petit à petit, regardez toujours sur le programme, il y a un calendrier, n'est-ce pas, sur le truc de la salle d'attente, il y a un calendrier avec un Google Agenda, ça ne sera pas toujours à 15h. Par exemple, la semaine prochaine, je rentre d'Annecy, je le mets à 17h. Et soyez indulgents aussi, je suis en train de vraiment de mettre en place mon calendrier pour voir qu'en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est super, ça va donner vraiment beaucoup de... C'est magnifique, c'est le début de l'école. C'est vraiment ce que j'entends ça depuis tout à l'heure. Derrière ça, il y a une réunion superbe, quoi. J'ai vraiment envie de prendre quelques secondes pour vous remercier, pour remercier notre vrai désir, pour remercier tous les guides qui sont là, pour remercier l'énergie du Christ qui parle à travers nous, qui entend à travers nous, qui n'est rien d'autre que notre filialité, notre unité. C'est ça l'étendard, le drapeau. Je ne vois pas donner ma vie à autre chose qu'à ça. En fait, je l'ai fait, mais le faire consciemment, ça me met les émotions, ça me met les larmes. C'est juste magnifique, quoi.
À bientôt à Lausanne aussi. Oui, on a Lausanne. On a Lausanne à la fin du mois pour 2 plus 2, c'est génial, hein? 2 jours ou 4 jours. Et Annecy, 2 jours ou 4 jours. C'est superbe. Et je vais développer de plus en plus cette activité. Vous avez vu sur mon site Web Atelier, j'en profite pour faire un gros coucou, un gros clin d'œil et tout mon amour à Serge. Serge qui m'a aidé avec mon site. Merci beaucoup, mon ami. Que je vais peut-être voir pendant. Je vais peut-être voir à Lausanne pour la conférence. Ça me fera très plaisir de vous voir vous aussi. Puis voilà, une chanson, une chanson. There was a boy, a very nice enchanted boy. Là, je l'ai prise beaucoup trop haut en plus. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est prendre absolument l'habitude qu'on avait à l'époque des paltocs. On a commencé en musique. Eh bien, j'ai bien envie de terminer en musique. Yes. Vous entendez la musique? C'est bien, c'est pas trop fort? On profite de la musique pour se faire un darshan, hein? Avec les yeux. C'est ça la grosse vibration, le silence. On se regarde et on s'aime. Il se passe beaucoup plus de choses qu'on croit.